Bonjour et bienvenue à ce nouveau Gameplay Express qui cette fois-ci est dédié à Love Hotel. Love Hotel qui, comme vous le voyez, est un jeu volontairement 8 bits avec une musique. Dans le même style, vous l'auriez vu sur NES à l'époque, ça ne vous aurait pas choqué. Alors ce petit jeu indie fait par les Australiens de Three Silky Hats est un jeu de gestion en fait tout simplement où vous devez faire en sorte d'avoir le meilleur Love Hotel de toute la région et atteindre les 6 étoiles. Alors comment ça se présente? Vous commencez avec l'hôtel de base et très vite vous allez devoir en faire donc le fleuron du lieu de débauche de toute la région. Pour ça vous avez différentes options en bas. Vous avez les chambres qui vous permettent de construire différents types de chambres allant de la salle ballon jusqu'à la salle chocolat en passant par la plage paradisiaque. Vous verrez à ce niveau-là qu'en bas à droite il y a différents types de petits logos qui s'allument ou qui s'éteignent. C'est tout simplement car votre clientèle n'est pas seulement terrestre et qu'elle viendra aussi de l'espace comme de l'enfer. Après vous avez la structure qui elle vous permet tout simplement de créer des étages ou des sous-sols donc pour aussi accéder à ces différentes nouvelles clientèles. Les services et la nourriture qui sont donc des rajouts que vous devrez mettre à chaque étage de préférence, que ce soit des distributeurs de préservatifs, des distributeurs de barres céréales ou encore des cuisines, un sauna, une salle à manger, etc. etc. Enfin, votre personnel qu'il faudra engager, là encore allant du cuistot au technicien de surface supérieure ou inférieure, en passant par des grooms. Chacun étant important, ayant un salaire par minute. Minute de temps réel de jeu, oui, c'est un peu original à ce niveau-là. Après, vous avez le restockage qui vous permet de remplir donc tout ce qui est distributeur. Vous devrez le faire de manière manuelle au début du jeu. Et enfin, l'inspection qui vous permet de voir l'état de chaque client, sa réserve de capote, son argent, quelles sont ses attentes ou autres, afin qu'il soit le plus heureux. Le jeu avançant, vous devrez donc ainsi augmenter la taille pour faire plus d'argent, faire venir plus de clients satisfaits égale plus d'étoiles, vous montez en étoiles donc vous débloquez de nouvelles pièces, avec les nouvelles pièces vous débloquez ainsi de nouvelles salles qui vous permettent de ramener encore plus de clientèle, etc. 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 Je pense que vous avez compris le concept. C'est très très simple dans l'absolu. Il suffit donc de faire en crescendo de plus en plus d'argent pour avoir de plus en plus de salles, pour avoir plus en plus de clients. Ce qui est intéressant, ça reste quand même le graphisme, le côté gestion qui est certes simple mais très addictif, et en plus une ambiance qui est quand même unique sur un thème unique. Je ne sais pas si avant vous avez eu l'occasion, beaucoup, dans le jeu vidéo de pouvoir gérer ce qu'on appelle de manière grossière un bordel. Voilà. Donc c'était une présentation assez rapide, je vais vous laisser un peu dérouler le gameplay, et puis on se retrouve à la fin pour faire un petit bilan. Bilan, c'est un jeu qui est super sympa, graphismes qui sont peut-être pas aussi éblouissants que le dernier Call of Duty Crisis Battlefield 4, mais qui sont quand même super sympathiques. La musique est peut-être un peu redondante, mais vu que le jeu finit assez vite, on se retrouve pas à se tirer une balle pour que ça s'arrête, ni à se percer les tympans. La seule chose qu'on pourrait regretter au jeu, c'est qu'il est court. C'est vrai qu'une fois qu'on a atteint les 6 étoiles, bah c'est fini, y a pas de mode challenge, y a pas de système autre, quoi. On fait juste ça. Après, c'est vrai que c'était un jeu pour les étudiants australiens qui permettait de montrer leurs compétences. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'il faudrait qu'ils continuent à faire des jeux comme ça, avec des concepts aussi uniques. Et puis en attendant, bah, je vous souhaite une bonne partie, et à la semaine prochaine.